Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo je teste pour vous, Shein. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo je teste pour vous. Il y en a certaines qui ne sont pas en partenariat et d'autres qui sont en partenariat. Dans tous les cas, je donne mon avis, hein. Ces vidéos là c'est fait pour ça. Comme je vous ai déjà dit, j'accepte jamais des partenariats qui me demandent de dire du bien, etc. Enfin voilà. Du coup je suis complètement honnête avec vous. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez peut-être que je reçois à peu près 3 vêtements par mois de leur part. Mais là donc ils m'ont contacté pour une autre collaboration qui consistait en fait à m'envoyer tout simplement 10 vêtements. Je crois que c'était dans la catégorie nouveauté. Voilà, ils m'ont dit de choisir 10 vêtements et de les présenter dans une vidéo. Alors j'ai pas les prix en tête bien sûr, mais c'est tout en dessous de 20€. Donc de toute façon je les mettrai à l'écran à chaque fois. Je vous mettrai aussi les tailles. Et tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc pour cette vidéo je teste pour vous, bien sûr il y aura les try on à chaque fois que je vous présenterai un vêtement. Et à la fin il y aura un petit lookbook. Dites-moi si vous aimez bien quand je fais des petits lookbooks et tout à la fin. Enfin moi je trouve que ça fait une vidéo plus complète du coup. Après c'est peut-être un peu plus long donc je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Du coup on va commencer, il y a beaucoup de pièces d'été. C'est parti. Le premier vêtement c'est celui-ci. Donc c'est un body comme ceci, noir, qui est donc à épaules dénudées. Il est côtelé, la matière est très épaisse. Par contre je vous conseille de prendre une taille au-dessus peut-être parce que l'élastique il fait... Enfin moi il me serre vachement les bras. Je l'ai pris en M et d'habitude je porte tout le temps du M. Donc je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Par contre c'est pas un body string comme vous le voyez. Voilà, ça me dérange quand je mets un slim, quand on voit la trace du body et tout. Mais si je mets un pantalon qui n'est pas serrant, ça me dérange pas. Sinon les manches elles sont bien, elles sont de la bonne longueur et tout. La qualité est vraiment bien, il n'y a pas de petits fils qui ressortent et tout. La matière est très épaisse. C'est vraiment une bonne qualité, je m'attendais pas à ça. Autant vous dire que toute la commande là, vraiment j'étais assez surprise. Ensuite il y a cette robe là, voilà. Voilà, si vous suivez ma chaîne depuis quelques mois, vous aurez remarqué que j'ai une addiction avec les robes. Là j'en porte une. J'en porte assez souvent alors qu'avant j'en portais très peu. J'ai encore pris une robe, elle ressemble à des robes que j'ai déjà. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ça fait super longtemps que je veux une robe comme ça avec ces couleurs là, ce motif là. Qui est donc cache-cœur comme ceci. J'en avais pas encore acheté et tout, donc là je suis super contente. C'est à manche longue mais c'est assez fin, donc vous pouvez le porter l'été. Mais vous pouvez quand même le porter l'hiver, enfin vous pouvez la porter toute l'année cette robe là en fait. Elle est vraiment de très très bonne qualité, c'est à peu près la même qualité que... la robe Forever 21 que j'avais achetée, qui ressemble un petit peu mais qui a bretelles. Voilà, sinon elle est doublée à l'intérieur. Après là, c'est vrai que ça fait un assez grand décolleté. Après vous pouvez toujours rajouter un petit point ici ou quoi. Ensuite, il y a ce haut là, donc c'est la seule déception de la commande. Puisqu'en fait, je le trouve super beau. Le seul problème, c'est qu'il taille un petit peu petit déjà. Je l'ai pris en M, ça taille plutôt comme du S. Donc je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Et en plus il est transparent à la poitrine, donc s'il était plus grand ça m'aurait absolument pas dérangé parce que j'aurais mis un soutien-gorge en dessous, un soutien-gorge beige, ça ne serait pas vu. Mais vu qu'il est déjà trop serré, bah du coup je peux pas en mettre dedans. Ensuite j'ai pris un short que j'aime beaucoup, la matière est assez épaisse, il est de hyper bonne qualité, vraiment on dirait un short Zara moi je trouve. Vraiment il n'y a rien à redire, je l'ai pris... en L parce que je préfère prendre du L pour les shorts parce que le M c'est des fois c'est un peu serré et tout, donc ça taille comme un petit L je dirais. Donc n'hésitez pas si vous êtes entre deux tailles à prendre la taille du dessus. De toute façon vous pouvez resserrer à la taille vu qu'il y a un élastique et qu'il y a un nœud. Je l'aime trop trop trop, ça faisait super longtemps que j'en voulais un et du coup je suis trop contente. Il y a des petites poches aussi donc c'est pratique et vraiment il est magnifique je trouve. Encore un short, alors là c'est un short un peu vert kaki comme ça, il est comme ceci, il se resserre encore au niveau de la taille. La matière c'est pas la même que l'autre, ça c'est beaucoup plus fin que l'autre, il n'est pas du tout transparent. Le seul problème c'est que je trouve qu'il est trop évasé sur les cuisses et que du coup ça me grossit un peu à ce niveau là. Donc moi j'ai des hanches assez larges et du coup je trouve que ça met pas en valeur. Par contre à l'inverse si vous êtes assez étroite et tout et que vous chercher quelque chose qui va faire plus de forme on va dire à vos jambes, je vous le recommande. Ensuite j'ai pris un pantalon, alors quand je l'ai reçu j'ai eu un petit peu peur parce qu'il est très très fin, j'avais peur qu'il soit transparent, que ça rende pas très bien. Donc la qualité c'est pas une qualité de ouf, ça fait un peu qualité Primark je dirais,
Mais par contre, je trouve qu'il rend super bien, donc je vais le porter cet été, c'est sûr. Il est très léger, donc il va pas me tenir très chaud. Il est super confortable, vous pouvez le resserrer comme ça à la taille. Et je le trouve super beau, vraiment porté, je le trouve super bien. Alors que comme ça, c'est vrai qu'il rend pas très bien. Il existe d'autres couleurs pour ce pantalon-là, si ça vous intéresse. Moi, je savais pas trop ce que ça allait donner, donc j'en ai pris qu'un. C'est une coupe assez droite, mais je trouve ça super beau. Vous pouvez le mettre avec des talons ou avec des baskets, selon le style que vous voulez donner. Et il taille très bien, j'ai pris un L et ça taille comme un L, je dirais, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce bandeau, donc voilà, l'été, j'aime bien porter ça, parce que bah, quand vous bronzez, déjà, vous n'avez pas la trace des bretelles ou des manches ou quoi. Je trouve que ça fait beau et tout, enfin je sais pas, j'aime bien ça. C'est un bandeau très simple et la matière est assez élastique et il y a en plus un élastique en haut pour être sûr que ça tient bien. La matière est assez épaisse, c'est pas transparent. Pour la taille, il taille assez bien. J'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous du coup pour que ça serve vraiment bien. Ensuite, j'ai pris une robe, encore dans ma folie des robes, mais j'ai pas beaucoup de robes t-shirt comme ça, j'en avais juste une. Et je la vends en fait sur Vinted parce qu'au final je la mets pas beaucoup. Celle-ci je l'ai vue sur le site et je me suis dit que ça pourrait être bien en été avec juste une petite paire de baskets blanches. Voilà, ça fait pas hyper habillé, ça fait pas hyper classe et tout. Pour les vacances c'est cool quoi. Plus elle est hyper confortable, la matière c'est du coton mais c'est assez épais. La coupe est parfaite je trouve parce que c'est assez large. Mais sans faire sac en fait, enfin je sais pas, j'aime bien la coupe. Pour la taille, j'ai pris une taille au-dessus. Donc je vous conseille de prendre quand même une taille au-dessus de la vôtre. Sinon pour le try on, petite information, je fais 1m70 et je porte habituellement du M en haut et du M ou L en bas. Donc je me suis pris un short toujours dans le même style, toujours la même coupe un peu. Encore une matière différente. Il est noir comme ceci avec juste une bande blanche de chaque côté. Il se resserre avec un élastique et une ceinture au-dessus. Et puis ça fait des petits froufrous comme ça là. N'hésitez pas vraiment à prendre une taille au-dessus pour celui-ci. Surtout si vous êtes entre deux tailles parce qu'il taille un peu moins grand que les autres. Mais voilà, sinon je l'aime bien et je le porterai cet été. Il est très simple, il n'y a pas grand chose à dire. La qualité est très bien, il n'y a pas du tout de fil. Et puis dernier article de cette commande, c'est une robe pour ne pas changer. J'ai vraiment hésité à la prendre parce que, comme vous voyez, ça fait des manches comme ça. Et du coup, j'avais peur que, avec vu que j'ai des épaules assez larges, j'avais peur que ça fasse pas beau. Mais au final, ça va, j'aime bien. Là, il y a un très grand décolleté. Après, ça dépend. En fait, vous pouvez resserrer ici. Et du coup, bah, plus vous serrez, et moins le décolleté est large. Comme je vous ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Après je peux comprendre que ça vous dérange, sinon vous pouvez mettre aussi un bandeau blanc en dessous, je pense pas que ça soit choquant. Pour le dos, donc il y a bah, le petit fil que je viens de vous montrer, et sinon c'est un grand dos nu comme ça, je trouve ça trop beau, hyper élégant et tout. Je l'ai pris en taille M et elle taille super bien, elle taille vraiment comme pile poil en fait. Comme vous voyez, à la taille il n'y a pas d'élastique, donc vraiment regardez les mensurations, parce que si vous prenez trop grand, bah, ça fera pas beau, ça va pas rester à votre taille. Et si vous prenez trop petit, bah, vous ne pourrez pas fermer la fermeture. Si la longueur elle est bien, j'adore tous les petits boutons comme ça, je trouve ça trop beau. Les boutons sont de bonne qualité, ils sont bien accrochés et tout, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe. Le seul petit défaut, c'est qu'elle est transparente parce qu'elle n'est pas doublée en fait. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez ma main. Voilà, après elle n'est pas hyper transparente, je pense. J'ai juste essayé hier soir, donc je sais pas trop. Mais je pense que si je mets des sous-vêtements couleur chair, ça devrait aller. À la taille, vous n'êtes pas obligé, mais il y a une petite ceinture comme ça. Donc voilà pour le haul. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire les articles que vous avez préférés dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le site Shein ou quoi, posez-les moi. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Sur ce, je vais vous laisser avec la partie lookbook. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos en commentaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! I'd like to love you, love you. Ha! Come on, come on, come on.
Find your love.